Fais gaffe, hein, te casse pas la cheville. On est proche Bon, du but, hein. ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque. Non, on doit Si, y plus en être a quand trop loin même. normalement. Moi, bon, c'était pas si ouf. Moi, je suis déjà préparé à aller sous la mer, en tout cas, hein. Moi, j'ai pas encore équipé mon matos. Je suis Ouais, je métro au vois dernier ça. moment. Bah, une chance qu'on a qu'on a trouvé ces petites combinaisons de plongeurs. En effet. Donc là, on arrive au phare, si je me souviens bien. Là, par contre, je sais que dans la station sous-marine, c'est toi qui as eu les plans, c'est toi qui les as surtout étudiés. Donc je pense que c'est surtout moi qui vais te suivre, quoi. Je vais rester derrière toi et je vais rester près de toi. Je pense que c'est mieux en effet. Voilà. Par contre, ouais, on n'oublie pas, grosse discrétion. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde sur le côté. Je sais pas si tu vois ce qu'il y a sur notre gauche. Oh, c'est le yacht. Ouais, ok. Moi, je te propose, on monte un petit peu dans le phare et puis on regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais, j'ai cru voir des gens dessus. Maintenant qu'on est à côté, on fait ça maintenant. Eh ben écoute, 1, 2, 3, je chez mon sniper, je pourrais t'en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais t'en avoir 7 au sniper pour te Ok. couvrir T'as un et tu silencieux pourrais y sur aller ton en descendant. sniper? Ouais, t'inquiète pas. Ok, donc là tu peux en avoir 7? C'est ça, tous Ok. ceux que j'arrive à voir. D'accord, donc moi ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais plonger. Et je vais m'introduire sur le yacht et je vais faire toute la. Enfin, je vais tuer tous ceux qui. Que tu peux pas voir, que tu peux pas voir. Et toi, tu restes ici et tu me couvres. Ça me paraît être un bon plan. Impeccable. Ok. Vas-y, je monte au sommet du phare et puis je vais plonger dans l'eau. Vas-y. Bonne chance. Bonne chance à toi. Fais-moi signe. De toute façon, Ok, on a la parfait. radio, mais... Ouais, d'ailleurs, radio, ça marche bien. Faudra qu'on Ça a l'air. reteste une fois qu'on sera sous l'eau aussi. En effet. Ok, c'est là. Ok. Tu feras peut-être le record du monde de saut. Bah peut-être. Soit je vais faire un gros plat et puis je vais me fendre les couilles. Ah bah écoute, je serai en première loge. Surtout que j'ai jamais vraiment plongé. Donc on va tenter, hein. Allez. Je te vois, t'es juste en dessous de moi en plus. Et 3, en effet. 2, 1. Tu me reçois? Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ok. Ok, je te vois, t'es juste derrière la moteur. À mon signal, tu tues celui qui est juste à côté, ok? Ok. Vas-y. Est dégagé. Ok, j'en vois plus de mon côté. Ok. Je vais venir te rejoindre. Parfait. Putain, il avait mon magazine, ce fumier là. Dégage. Il reste plus que la cale, hein. Je crois que je vais t'attendre un peu. De toute façon, on n'est même pas repéré. Ok. Je vais faire un tour devant, j'ai pas pu voir. Non, Pour être sûr. j'ai fait le ménage devant. Ok, a priori, y a plus personne. Alors, on voit. Bien joué. Ok, fais la salle des machines.
Là, ok. Ah, connard. Ok. Hop, c'est bon. T'es prêt? Il va falloir se préparer à aller dans cette station là. Ça a l'air. Je vais regarder s'il n'y a pas encore des. Enfin, je peux déposer ce qu'ils avaient sur eux. Voilà. Sans moi, je suis équipé. J'ai une nourriture, j'ai ce qu'il faut. Ok. Voilà. Là, ça m'a l'air tout bon. J'ai pris une petite M16 au cas où. Nickel. Ok. Bon, je te propose qu'on se prépare un petit peu. Je pense qu'il, je sais pas ce qui reste vraiment dans le yacht. Qu'est-ce qu'on avait laissé? De toute façon, il reste encore les armes qu'on avait laissées aussi. J'espère qu'ils ont laissé la nourriture. Je peux regarder. Je regarde. Ouais, ils en ont laissé, ouais. Il en reste pas Ok. mal. Nickel. Ouais, il y en a largement. Largement. Et tout ce qu'il faut, mec. Ok. Parfait. Là, il va faire nuit. Ouais, le soleil se couche. Ouais, ce que je propose qu'on Tu fasse, me c'est... diras de nuit, ça peut être une bonne alternative pour essayer de les prendre par surprise. C'est vrai. Ok. Bon, bah, du coup, on va établir un petit plan là. Il va falloir que Merde, que tu me montres un petit peu comment on va procéder dans la station, d'accord? T'inquiète pas. Viens dans la cuisine. Bon bah moi ça me convient, Val. Allez, on Allez. se lance. C'était vers l'est. C'est par devant qu'on doit se barrer. C'est ça. Ok. Je propose qu'on mette nos masques et qu'on teste la radio une dernière fois. Alors, voyons, voyons. 3, 3, 2, 1, test, tu me reçois. Ouais, c'est bon, Bénisse. je te reçois 5 sur 5. Ok, maintenant à toi. Teste ta radio. 1, 2, 3, maman. Maman, c'est tout ce que tu trouves à Exactement. dire. En tout Ouais. cas, ça va, ça fonctionne. Je voulais dire quelque chose de plus sale, tu vois, mais bon. En tout cas, tu dis... Bite que couille chatte. Voilà. Allez, je te laisse l'honneur de plonger en premier, mec. Parfait. Quel plongeur, ce Valba. T'as vu ça? Je te propose qu'après la petite falaise... Je te propose qu'après la petite falaise, on remonte à la surface. Ouais, Histoire de je prendre un petit t'attends. peu l'air. À partir de maintenant, plus de lumière, plus rien. Vers l'est, on avance encore un petit peu. Moi, j'attends encore un petit peu avant de plonger. Allez, on y va. Tu vois la station? Je la vois, je la vois. Ok. Je vois aussi des mecs aux fenêtres. Juste devant les fenêtres. En effet.
tiennent derrière le sous-marin. Seconde, laisse-moi regarder. Ok, vas-y, on peut y aller. Vite, viens, viens. Ok. On peut enlever nos masques. Ah, c'est mieux. C'est bon, je me suis mis mon armure. Ouais, t'inquiète pas, tu me suis. Normalement, il y a deux portes, on va aller regarder. S'il y a quelqu'un éliminé, j'ai le silencieux. Ok. Par contre, on parle avec la radio. Ouais, t'inquiète pas. Putain, ils l'ont verrouillé. Ils ont verrouillé cette porte. Il y en a une autre là-bas. Je vais aller voir si elle est verrouillée. Vas-y. C'est une chambre de décompression. Ça sera notre voie de repli. À mon avis, on pourra peut-être sortir par là. C'est pas bête. Attends. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans la salle de contrôle. Vas-y, passe. Go, 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 go. Ça va se corser un peu. Va falloir faire très attention. En effet. Je te suis. Ça, c'est réglé. Ok.
Alors, voyons. Ok, c'est toi qui sais ce qu'il y a à faire. Désactiver la porte de sécurité. La porte de sécurité de la foreuse, ouais. Voilà. Je vais monter la garde. Voilà, voilà. Peut-être ça. Yes. C'est ça. Ça m'a l'air d'être ça. Après, oui, attends, je regarde les écrans. Merde. Ouais, c'est bon. Grouille-toi, mec. C'est bon, je suis là. Ok. A priori, on n'est pas repéré. Ok. Sur ta droite. Ouais, je vais tenter d'avancer. Je passe devant, ok. Ok, vas-y. D'ici on descend si je me souviens bien. C'est ça. Passe devant. Okay. Il y a d'avoir personne. Ok. On ouvre la porte. Ouais, c'est bon, les portes sont ouvertes. Ok. On a eu les bonnes informations. À mon avis au-dessus, parce qu'il y a peut-être un du monde. Passe devant. Un peu trop même. Je suis désolé, je vais devoir tirer. Non, c'est bon, je gère. C'est bon. Pas repéré. Ok. Trop la foreuse est là. Enfin, on peut enfin souffler un peu. J'avoue. Mais on n'a pas de temps à perdre avant qu'ils trouvent les cadavres. Il y a quoi là-dedans? Une armurerie. Des armures en fer, comme d'habitude. Des AK-47. Ça m'intéresse. J'ai déjà tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh putain. Une armure mastodonte, mec. Un minigun. J'ai trouvé un minigun. Un minigun. Oh putain. Oh la vache. Ok. Je suis récupéré quelques trucs. Ouais, pour, okay. pour me renflouer au niveau de mon bateau. Ouais, vas-y. Moi, je vais monter la garde et tu me rejoins dès que c'est bon, ok? Ouais, t'inquiète pas. T'as fini, mec? Ouais, c'est bon. J'arrive. Ok. Viens prendre ma place. Je vais me mettre derrière pour poser la bombe. Prends ma place. Et surveille bien. T'inquiète. Donc là, mec, on a deux choix. D'accord? Dis-moi tout. Soit on met 10 minutes, on se barre, on a le temps pour se barrer. Soit on met 5 minutes, c'est limite, mais ils ont moins de chances de trouver la bombe et de la... La désamorcer. Voilà. Moi je dis 5 minutes. Je dis qu'on a pas le choix 5 minutes. Et bah ça tombe bien, on est repéré. Putain. T'es prêt? Fais vite. Ok. 3, 2, 1. Ok. Ma montre est synchro. On va en avoir plein dans le collimateur là. Oh oui. Ils sont déjà là. Oh putain. C'est bon. Ah. Vas-y, descends. J'ai monté. Ok. Al-
Valva, Valva. Monte l'échelle derrière. Ok, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te couvre. Putain de merde, ça arrive. En masse. Là-bas, là-bas, vas-y, vas-y. Vas-y, je couvre en bas et tu couvres. Tu couvres derrière, ok? Ouais, faut vas-y. Vraiment que tu restes haut, près de moi. Tête de merde, vite, je me plante là, tiens. On se barre, mec, il n'y a pas le temps. On a trop. Vas-y, 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 vas-y. Oh, bordel.
Yes. Le soleil se couche, je crois qu'on y a limite passé la journée ici. Hein. En même temps, Là, je pense qu'il a fallu. je crois qu'on les a tous tués. Hein. Il n'y en aura plus là, de ce groupe-là. Hein. Fini les mecs en armure. Oui. En effet. J'ai juste hâte d'aller me sécher dans mon lit là et de lire enfin ce putain de magazine. Oui, suivez-moi qu'on soit séché. En effet. T'as rien d'autre à dire? Disons que c'est pas. Je te l'expliquerai sur le bateau, une fois au sec. Eh bah dis donc, Valbac, il y a un truc à me dire. Incroyable, n'est-ce pas? Vraiment, ouais. Très incroyable. Je commence à être crevé là, à force de nager aussi. Hop. Tu Nager, nages se et moi battre, donc. nager, se battre. À un moment, faut arrêter, hein. J'en ai marre de me battre tout le temps, là, comme ça. Je fais que Bon, ça depuis que je apprendre. suis sorti du bunker Delta, je fais que ça, me battre. On prendra notre retraite. Ah bah, il me tarde. Seulement, je pouvais la prendre maintenant. Moi, il me manque plus qu'à retrouver Snorky, et puis je la prends, ma retraite. Ah. Eh bien. J'en peux plus. J'en peux plus. Plus du tout. Et moi Ok. donc. Tu viens dans la cuisine? T'avais pas un truc à me parler? Si, justement. Je suis allé en profiter pour remettre les moteurs en route après. Ouais, ok. C'est par rapport à justement ton ami Snorky. Ouais. Comme tu dis. Pendant qu'on je trifouillais les ordis pour pouvoir ouvrir la porte de la foreuse. J'ai découvert des dossiers et des messages, comment dire, les mecs en armure, il Ouais, y en a d'autres. il y en a d'autres. Et je pense que c'est bien les derniers. Et ils s'y Putain. tuent sous notre bunker. Ah donc comme on avait vu dans dans l'espèce de note qu'on avait trouvé la dernière fois. Donc il y a vraiment un truc sous notre bunker. C'est vrai que maintenant En que j'y pense, fait, on n'avait pas tout il exploré. Mais c'est y quoi a le un rapport labo. avec Snorky? C'est que dans ce bunker, ou cette sorte de choses, leur base, leur dernière base en tout cas, Ouais. il y a un laboratoire et apparemment Snorky y a été emmené. Qu'est-ce qu'on Depuis le attend début, en alors? fait, depuis le début, il est là-bas. Depuis le début, il était sous mon nez. Moi, je lui faisais confiance. Je croyais qu'il était capable de s'occuper de lui tout seul, de lui-même. Dans un laboratoire, ça se trouve, ils font des expériences sur lui, un truc comme ça. J'ose même pas imaginer ce qu'ils font sur lui. Bon, allez, allume les machines. On n'a même pas de temps à perdre, d'accord? Je m'occupe de ça. Là, T'as qu'à aller te j'ai même reposer. plus envie de dormir, là. Tu vois, j'ai même plus la tête à ça. Et bah, essaie de te reposer un peu le temps que je nous conduise vers le bunker. Je pense que je vais passer mon temps sur le pont et je vais regarder l'horizon. Fais ce selon tes envies. C'est bon, tu décolles là ou pas? Ouais, c'est bon. J'étais en train de faire chauffer les moteurs et on est parti.